Re-YouTube. Nous continuons sur la découverte de Repentance, extension d'Isaac qui vient de sortir sur console. Bon bref, je me suis fait laver le fion face à Mother. Donc à la fin du contenu anti-burst, je suis un peu dégoûté parce qu'en vrai, on aurait pu. Mais il aurait fallu, comme je le disais là pendant la pause, il aurait fallu que finalement j'essaye de faire le combat Vanilla. Et qu'à la phase 2, j'utilise la rune. Sauf que je me rappelais plus du tout que la phase 2, elle était comme ça. Du coup, voilà. Donc partons avec Judas. Parce que je suis convaincu qu'un jour on y arrivera. Oh là là, recommencer à zéro, quelle vie. C'est vrai que ça fait un moment, quand je joue à Isaac, généralement je fais genre une run. Oh. Généralement je fais une run et puis je m'arrête. Du coup, j'ai pas ce sentiment que quand je recommence une run, genre je suis à poil. Yera dès le début. Bon, alors ça, malheureusement, on pourra pas le choper. À moins d'avoir beaucoup de bombes. Ça, c'est chiant. Voilà, alors Yera dès le début. On va se le foutre au cul parce que je vais mourir. Non mais Yera, c'est à garder précieusement. Ouh. Ça aurait pu être un décès fatidique. Des bombes, ça c'est bien. Ah, peut-être pour atteindre le rocher marqué, mais je pense qu'il était trop loin. Oh la belle prise. Non. Non, bande de fumier. Bon. On va peut-être y arriver du coup. Ah, les tics de ses morts. Trois bombes. Ah, le rocher marqué, ça commence à être possible. Oh. Putain, j'aurais été chaud pour un grid là, bizarrement. Un autre cœur bleu, ça peut être pas mal, sinon les items ne m'intéressent pas. Ok. Nice. Ah, là, c'est un bon départ, on respire. Putain, et la cœur, c'est pas envisageable en plus. La cœur, c'est pas envisageable. Enfin, à moins que je fasse le con. Ce qui est tout à fait possible. Hein. Pour le coup, ça m'a porté de faire le con. Vas-y. Un pari sur l'avenir. Me suis remboursé. Faut alors que j'essaie de claquer une bombe là. Ici, je suis sérieux. Vas-y. Alors que ça se trouve, c'était là. J'ai plus qu'une bombe. C'est pas de la merde ça. J'sais plus. Bref. Putain, cette semaine ça a été compliqué hein, de vous faire du contenu. Hein.
Je prends pas les tamons. Range up. D'accord, c'est un peu anecdotique. Je sais pas si ça valait le coup de claquer mon bouquin de médial. Bon, il faudrait une bombe, on a le shop. Est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir le shop en sachant que j'ai pas de... J'ai pas d'argent. Mais je suis un sac à merde. Bon, par contre, rip ce coffre. Vas-y. Ok, il y a une bombe à 3 balles. C'est envisageable si on arrive à faire 3 balles. Qu'est-ce qu'elle fait cette mouche déjà? Juste de dégâts, c'est bon. Bon bah du coup rip le coffre. Qu'est-ce qu'il fait lui déjà? Juste tu fais ça? Ah famine! Famine. Ah c'est pas mal l'effet famine du coup, j'aime bien. Ça c'est pute. Ça c'est très pute. J'ai jamais ouvert mon item room. Et là il y avait un HP up et du coup j'aurais pu prendre le collier de Guppy. Bon en vrai c'est une run vénère. Par contre il me faut de la bombe. Si j'ai pas de bombe, je vais pas pouvoir aller aux mines. Et ça me vénère. Oh le bordel qu'ils foutent dehors, je vous jure j'en peux plus. J'en peux plus de cette ville. Ok. Bon les bombes faut commencer à les garder précieusement. Oh le coupon. Ok. Ah mais remarque, je peux passer. Ah, la flamme blanche. COP. Donc là, la question est de savoir où est la salle miroir. J'ai cru que ça allait péter la flamme blanche. J'ai l'impression que la salle miroir est très loin. On va avoir un problème. Bon par contre avec le bouquin de Bélial, je suis à 14,80 de dégâts. Le boss est là. Putain, le sound effect de l'enfer.
Pas tout de suite. Oh, ça va être relou. Elle est où la salle miroir? Bon, la secret est peut-être à gauche là. Voilà. C'était sûr. Ok, oui, ils font ça. Bon. Genre le luxe de pouvoir bomber un peu pour les secrets. C'est pas mal. La salle miroir est là. Oh, va falloir que je cavale. Bon, la salle miroir elle est pas loin de l'item room. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pas que je fasse le con avec mes bombes. Bon, c'est possible ici. Ce serait ouf d'ailleurs. Speed up, you feet feel stronger. Ok. Donc j'ai fait tomber. Là si j'ai fait tomber, c'est merveilleux. Enfin c'est merveilleux non. C'est souvent le plan cul d'avoir l'effet tomber. La question est-ce que je claque mon Yera? Pas de l'upcoin. Ah parce qu'avec Yera du coup ça me fait 4 cœurs bleus. Un peu plus d'argent. Yara. Vas-y. Même si du coup c'est potentiellement une connerie vu que on doit faire toute la manip avec putain avec le la flamme et miroir et tout là. Oh là là. Non mais j'ai du dégât de fou là. Ouais sauf qu'il est ralenti. Donc il met 1000 ans. Oh le bâtard. C'est une bonne nouvelle ça. Bon. Juste au cas où. Si je me sens un peu en mode malaise. Ouais, donc là en fait c'est ok. Ah mais du coup après j'ai spectral et tout avec ça. Ouais ok. Ça va. C'est pas si merdique que ça. Donc faut que je passe par ici. Voilà. Juste que j'aille tout droit. Mais non en fait, j'ai juste à... Merde. J'ai juste à... retourner au miroir.
vu que j'ai la partie du couteau. Donc en fait ça va, c'était easy peasy. Mais est-ce que je suis con au point de risquer? Non. Là je commence à être vraiment bien, donc je vais pas risquer du tout. En vrai on pourrait farmer et tout refaire, mais je le sens pas. Donc voilà. Allez. C'est cool. Bon, et le problème super secret, c'est que là il peut y en avoir un peu partout. Donc j'ai un peu la flemme là. Donc on va se barrer, enfin on va aux mines. Bah, les mines, c'est un sacré plan cul d'ailleurs. Go. Eh ouais, parce qu'avec le mode spectre, on peut refaire un boss, regratter un item, enfin c'est plutôt fort. Hein. Je suis très très puissant là. Hein. Je suis très très puissant. Ah ouais, la queue de Guppy qui me donne de la proc sur l'apparition des coffres. Bon, il y a grandement moyen que cette run aboutisse, hein, à moins que je fasse vraiment de la grosse merde en market. Ah, remarque, j'aurais dû laisser tirer. Ok, je suis pas en galère de bombe. J'ai pas forcément besoin de le prendre. En même temps, est-ce que j'ai vraiment besoin de. Ouais, vas-y. Mais putain! Ah ouais, on est en Curse of the Blind, putain. Faut pas prendre le risque d'acheter. Je trouve ça très original hein, ces niveaux Bonne nouvelle ça. Alors ne me demandez pas comment. Mais putain, mais tu vas toucher un jour dans ta vie? Ouais. On va farmer. J'aime bien farmer. Ouais, donc là... Oh mon dieu.
Oh mon dieu, bah oui, bah un cœur complet. Voilà, et mon bon arbre que je vais mettre dans le cul. Que de Guppy qui fout un peu la merde. Hein. Oh, j'aurais pas dû faire celle-là. Ah oui, eux c'est des kamikazes en fait. Momski serait incroyable. C'est... Ouais, c'est bien pour les boss. Ça c'est bien. On a du cœur rouge, on a du cœur rouge à balle, je peux faire de l'argent. Alors, la subtilité avec repentance, c'est que je peux, voilà, me niquer le dernier demi-cœur rouge. Chose qui n'était pas possible avant. Je suis pas sûr de vouloir l'exploiter, le mendiant. Ah oui, mais non. Je peux pas exploiter dignement la machine. Parce qu'il faut que je me remplisse quand même pour la protection. Le bon art, c'est trop important. Le bon arbre, c'est trop important. Connard. Oh, il y a un rocher marqué là-haut, tiens. Le bon arbre, c'est trop important. Que c'est long. Ah mais je peux les défoncer. Oh ben voilà. Non mais je me suis pris la tête pour rien en fait. Dommage. Dommage en fait. La range. Quoi? Ah.
Un item à deux cœurs en général, c'est bien. C'est bien. Du coup, les autres, j'ai pas envie de piffer. Est-ce que je repars en arrière pour péter les machines et compagnie là? Je pense, hein. Là, je suis quand même deg, j'ai pas pu exploiter à fond. Là, je suis à 12,60 de dégâts vanilla là. C'est bien, c'est bien. Ou alors je l'exploite lui. Imaginez, il y avait un Dark Bum. Dark Bum qui est moins pété qu'avant, si jamais. Dark Bum qui a été un peu nerf. Ah, le trinket, c'est en enchaînant les kills dans une salle, j'ai du dégât up. Bon, ça commence à me saouler. Vas-y, régale-moi, hein. Si on peut infiniser. Allez, donne-moi ton item, là, qu'on n'en parle plus. Bon, après, j'ai déjà un pretty fly, donc s'il me donne son item, finalement, j'aurai juste une mouche. Là. Ça y est, hein, on est reparti pour les vieilles habitudes, c'est-à-dire passer 1000 ans dans une salle. Donc je me tiens prêt à tirer au cas où il balance pas une troll bombe. Vas-y, fais péter le moulin là. Pour l'instant ça va, c'est assez fructueux. Hein. Il nous a rendu de la thune, là on récupère des bombes. Faudrait qu'il me file un peu de créer. Ce serait bien. Genre celle-là. Vas-y mec. Hein. Oui, c'est maintenant. Fly Love, bon. De retour avec le Scatol. Ce qui est pas mal. Hein. Mulligan aussi qui est très fort. Bon, et ben voilà. Écoutez, moi je dis pourquoi pas. Justice. Je trouve qu'on s'en tire plutôt très bien. Hein. On aurait pu piffer les autres items Devil Deal, mais en vrai non. Bon, et c'est là que ça va se compliquer. Putain, j'ai mal au dos. C'est là que ça va se compliquer. Il y a un explosivo. Hein. On a la queue de Guppy, faut pas l'oublier. Ah, oh, ça se trouve, il y avait des items de Guppy. On débile deal. On ne saura jamais. Ah, mais. Ah! D'accord, oui, non, bon, c'est chiant. Donc, on va abandonner l'idée. Ça me fait du dégât quand même.
sorti le coin hein. J'avais même pas capté que c'était un locoin. Hein. Non mais En même temps je connais pas les ennemis donc forcément je cague un peu en restant sur mes vieux acquis. Je conçois que c'est pas ouf. Allez, ça c'est fait. Pour attendre le shop au cas où. Ah, remarque, on s'en fout. Ça, ça me va. Ouh, ça, ça me va beaucoup. Du coup, toutes les pilules sont positives. C'est bien. Voilà. Oh mais même sans le bouquin de Belial, je suis un monstre. Hein. Il met un HP up ici. Bon, si on arrive à voler, ce qui serait bien, faut récupérer ça. Ah bon bah écoute. Merci, je suppose. Bon, j'ai pris un peu cher là, faut que j'arrête mes conneries. Ici que ça se passe. Je sais pas si je peux faire le boss avant. Je pense que je peux faire le boss avant. Peu importe. Ça change rien. Juste pas que je me fasse péter la gueule. Ah dommage. Dommage dommage. Oh je suis lent d'un coup. Oh. Ok. Faut retenir. Putain, j'ai mal au dos là. Attendez, je me replace. J'ai trop trop mal au dos. Attends, je me tiens droit, mais putain de canapé là. J'ai fait n'importe quoi. Hein? J'ai cru que j'étais softlock. On sait jamais, hein. Petite échelle de corde. C'est lourd, j'ai marqué. Ah
Je croyais canner. Putain, y'a plus le rocher marqué? Quel enfer! Et au shop, on n'avait pas un cœur bleu à acheter? Ou je l'ai déjà acheté, peut-être? Dommage. Admettons. J'ai vraiment failli faire ça. Pas de petites économies, hein. Ouf. Ah, on a une méta exceptionnelle là, hein. Pour l'instant, c'est délicieux. Bon, faut faire le boss. Et vu. Putain, c'est pas un boss con ça. Ah ouais, lui, c'est des vagues d'ennemis, je crois. Je vais en plein dedans, hein, c'est terrible. On est court. Des dégâts. Je suis obligé. Bon, ça veut dire faut vraiment que j'arrête de faire le con, quoi. Non. Non mais c'est bon, normalement c'est bon, c'est rattrapable. Oh le con. On va respirer un peu. En fait, en plus, le pire c'est qu'il faut que je sacrifie de la vie là. Donc si j'en ai pas, bah lol, c'est mort. Thank you.
Non mais là faut vraiment que j'arrête mes conneries et parce que on a vraiment une méta exceptionnelle donc faudrait que je commence à bien jouer. La lock, c'est le moment de me donner des cœurs là. Si je me faisais toucher par ça. Ok, donc on peut avoir double bouquin de Bélial. Non, non, mais c'est juste exceptionnel là. C'est juste exceptionnel là. Mais il me faut. Oh putain, il me faut de la vie. Chose qu'on n'a pas. Bon, après, on a fait des unlocks, hein, donc au pire, je me dis, bah tant pis, c'est pas grave. Hein. Putain, et j'ai 4 de luck là. Évidemment, mais tous les magasins que j'ai, ils sont rincés. On va y aller tranquille. Tranquille, tranquille, tranquille. Parce que l'explosivo, ça peut me péter à la gueule aussi. Putain, les larmes partent quand même vachement plus vite. Hein. Deuxième bouquin, c'est pas si mal. Ah, on a Devs 2. Ah ouais, donc là en fait c'est maintenant ou jamais. Oh, cette run était pourtant si bien, il a fallu que je prenne... de Babylone. Rainbow Tears. Ouais, du coup, on n'a pas eu de vie, quoi. Du coup, on n'a pas eu de vie. Ah, mais du coup, je vais pas pouvoir faire... Dommage, dommage. En fait, si j'arrive à trouver genre un cœur éternel ou une connerie comme ça. Mais d'ailleurs, bon. Ah ben non, je peux pas. Quoi?
Ah oui, non, c'est random, effet de mon cul. C'est random effet de mon cul. Bon, ben voilà. Et ben c'est bien la baise. Et ben c'est bien la baise tout ça. Bon, vas-y, on va essayer d'aller au bout quand même. Bon, c'est triste, hein. C'est triste. On était si bien. Bon bah. Allez, hein. On va juste mourir, en fait. Oh là là, mais je suis vraiment unlucky, hein. Je suis vraiment unlucky. Bon, au pire, si je meurs, c'est pas grave. Mais ça fait chier. Ça fait quand même sacrément chier, cette histoire. Putain, je suis une lucky. Putain. Bon bref, des bisous YouTube. Au moins vous savez tout ce que j'ai fait pour avoir ce putain de couteau. Et la VOD précédente vous a montré ce que normalement j'étais censé faire pour que ça aboutisse. Voilà. Des bisous.